Est-ce que le pass de combat chapitre 2 est gratuit? Oui, car j'offre littéralement 5 passes de combat à 5 personnes sur cette vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de mettre le code créateur Brice dans la boutique de Fortnite, le dire dans les commentaires YouTube de cette vidéo, être abonné à la chaîne, et d'ici 48 heures, je choisirai 5 personnes entre vous pour vous donner un code de 1000 V-Bucks. Et en plus de ça, durant la vidéo, il y aura un code qui sera caché à un endroit aléatoire. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout pour être le premier à le trouver. Les amis, est-ce que le marteau sauve des dégâts de chute? C'est ce qu'on va voir. Oui, ça sauve des dégâts de chute, bien sûr. Mythe validé, ça régale. Oh oh, les nouvelles motos. Il y a JK hier qui a fait une vidéo, les amis, avec un glitch qu'on pourrait faire. Je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Attention, vous avez vu, en fait, on peut sauter avec les nouvelles motos. Il faudrait faire... Non, ça marche pas, je crois. En fait, quand on va sortir de la moto, on va faire un jump sur la moto et ça devrait nous envoyer hyper haut en l'air, en fait. Alors, on essaye, gros saut. Ah non. Oh, par contre, ça m'a propulsé un petit peu, là. Oh, 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 oui, oui, si, 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 ça a marché. Attends, faut que j'utilise ça vite. Ok, ça m'a amorti la chute, sinon je mourrais de chute. Mais on peut faire encore plus haut, je sais qu'on peut faire encore plus haut, les gars. Non, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Non, ma moto! Reviens par là, la petite moto! Non, va pas dans l'eau, non! Hop là, ça dégage, mon pote. Deuxième saut réussi, let's go. Bon écoutez, c'est un mythe qui est validé. Il est validé. La question que vous pourrez se poser dès à présent, c'est est-ce que la moto sauve des dégâts de chute? Est-ce qu'on prend des dégâts de chute en étant sur une moto et en faisant un gros jump? On va voir ça tout de suite. Je cabre, tu le sais. Attention, let's go. Attention, est-ce qu'on prend des dégâts de chute, oui ou non? Oh, hop là, on prend pas des dégâts de chute. Mythe validé, ça, ça régale. Est-ce que l'eau casse les motos? C'est ce qu'on va voir immédiatement, les amis. Attention. Est-ce qu'on peut passer l'eau? Oh, oh, oh. Alors, j'ai vu le contraire, hein. J'ai... Non, oh non, 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 vite. Non, non, attends, elle va sortir, elle va sortir. Non, oh non, je veux récupérer ma moto, moi. Mais non, mais frérot, je voulais jouer avec encore un petit peu. Oh non, la Fortnite, tu abuses, Fortnite, tu abuses. Bon, bah écoutez, du coup, le mythe est validé, malheureusement. Est-ce qu'on peut rebondir avec le marteau sur l'eau? Ok, est-ce qu'on peut rebondir? Ouais, on peut rebondir sur l'eau, incroyable. On peut rebondir sur l'eau, ça c'est fou. Attends, hop là. Ah non, là ça n'a pas marché. Mythe validé. Epic Games aurait enlevé le mode labo de combat du jeu. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors est-ce qu'il y a le mode labo de combat? Non, il n'y a plus rien. On a le Battle Royale, le Zéro Construction, le mode créatif, le mode arène, le sauver le monde, la Ford Empoigne, la fête royale et la croisée des légendes. Et c'est tout. On n'a plus le mode labo de combat. C'est vraiment dommage puisqu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent ce mode de jeu là pour tourner des vidéos, y compris moi. Donc Fortnite, remettez-le s'il vous plaît. En tout cas, du coup, mythe validé. Vous avez dû certainement voir avec le nouveau chapitre des nouvelles animations comme le petit jump comme ça là, hop, hop, où ça peut slide. Et on peut également construire des fenêtres. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut traverser une fenêtre avec le nouveau slide? Moi, je pense que c'est possible en vrai. Hein. Alors, on va poser le petit mur juste là, magnifique, il est très bien placé. Et on va foncer dedans et on va voir si on passe à travers, oui ou non. Attention! Ce non. Alors que si je fais ça par exemple, tu vois, là il y a un mur, normalement bah, ça me bloque. Là, hop, je saute par dessus. Donc du coup, mythe. Mythe. Oh, brisé. J'ai eu trop peur, frère. Est-ce que les nouveaux graphismes de Fortnite sont magnifiques? On va mettre le jeu en full option. Alors là les gars, ça va y aller, hein. Hop, réglage de qualité, faible, moyen, élevé, épique, appliqué. Voilà, là au moins on est sûr d'avoir le meilleur jeu possible. Et waouh, regardez ça. Et regardez, on va mettre le feu à la maison. Normalement on va avoir des graphismes de fou. Waouh, regarde ça. What, le feu, comment il est réaliste? On se croirait tellement pas dans Fortnite, t'as vu? C'est un truc de zinzin, regarde-moi ça. Regarde le feu, comment il est hyper réaliste. Oh, regarde le mur, comment il est en train de se craqueler avec le feu. Ah les gars, je crois que là, c'est un mythe 100% validé. Et moi, je vais vite sortir de cette maison parce que je crois que là, il y a tout qui est en train de prendre photo de moi et j'ai pas envie de mourir perso. Alors je me casse, ciao ciao. Est-ce qu'on peut traverser des box avec les nouvelles motos? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Let's go, on va exploser lui, sa petite box, il a voulu m'attaquer. Ah, ah non, ça fait rien du tout là, mon pote. Oh, attends, vraiment, ça met aucun dégât tant que ça. Attention, ça, je peux le casser? Non? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, en tout cas, dans tous les cas, le mythe, il est brisé, frérot. On peut pas casser le box avec les nouvelles motos, ça dégoûte. Vous avez vu, on est dans le nouveau bus avec la nouvelle carte. Est-ce qu'on peut quitter la map de Fortnite? Là, ça tombe. Ici, là, regardez, là, il y a de l'eau qui coule. C'est comme une cascade. Moi, je veux voir si on peut y aller, oui ou non. Du coup, je vais attendre et je vais sortir de la carte. Ok, j'ai l'impression que j'avance plus. Si, si, je suis en train d'avancer là. Si, si, j'avance. Attends, mais je vais y arriver ou quoi là, frérot? C'est quoi ce délire? En fait, je pense qu'à un moment, il va y avoir un mur invisible. Et je crois qu'il va pas tarder à arriver.
Attention. Le mec, attends. On est en train de sortir. On est en train de sortir, les gars, let's go. Ah non, il y a un mur. Oh non, ça y est, il y a un mur, j'avance plus. Non, merde, ça marche pas, frère, je suis dégoûté. Bon bah, mythe brisé, j'ai trop les boules. Vous voyez ces nouveaux gros cailloux bleus là? Ils sont hyper mystérieux, on sait pas trop à quoi ils servent. Et bah, en fait, normalement, quand tu tires dessus et que t'as des ennemis à côté, ça te les tue. Donc, est-ce que nous, ça marche aussi? On va le charger, attention. Vite, encore, encore, t'arrêtes pas, te décharge pas. Encore, 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 vite. Allez, encore. Non, je me fais tirer dessus. Non. Oh, il s'est envolé le truc. Mais du coup, ça n'a mis aucun dégât. Donc, mythe brisé. Les gars, on peut refaire un point. Est-ce que le chapitre 4 est magnifique? Regardez-moi ce point de vue. Avec les lampons. Ce mythe est encore une fois validé, tellement c'est beau. Est-ce que les nouveaux bushs nous sauvent des dégâts de chute? On va encore même encore plus monter, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, les gars. Oh my god, je vais mourir. Ok, on va sauter de là, du coup, parce que j'ai plus de build. J'ai fait n'importe quoi. De toute façon, vous voyez bien qu'à cette hauteur, je prends des dégâts de chute. 3, 2, 1. Oui, ça saute des dégâts de chute, mythe validé. Est-ce que les dégâts sont doublés? Attention, regarde quand je tire sur lui. Oh, oh, ça a doublé, ça double à chaque fois que je tire. What the fuck? Mythe validé, mais attends, c'est dans certaines conditions, je comprends pas là. On peut avoir du loot grâce au nouveau drapeau, comme ça sur Fortnite d'attaque. On va voir à la fin ce que ça fait. Je suis en train d'essayer de me cacher un petit peu en même temps. C'est très long à monter, c'est très très long, hein. Waouh! Attention, qu'est-ce qu'on va voir à la fin? On y est, ça y est, depuis d'ailleurs je survis. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a du stuff. Oui, ça marche véritablement magnifique. Bah écoutez, mythe confirmé, on a du stuff. J'ai fait un oscope. Non, j'ai pas réussi. Ah, ça vous avait manqué, les glitch XP. Ben, en voici un. Et du chapitre 4, et qui visiblement fonctionne super bien. Vous avez le code qui s'affiche à l'écran, donc vous juste le rentrer sur le jeu et accéder à la carte. Une fois que vous allez lancer, on va aller à droite. Il y a une portail droite. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans le coin en bas à droite de la carte et poser 5 murs de 3. 4, 5, juste ici, et normalement dans le coin vous aurez un bouton interagir. On interagit avec, et là on va être téléporté dans une pièce. On va aller sur le bouton de droite, et là une fois que vous allez appuyer, regardez le nombre d'XP. Chat. Pardon? Attends, mais c'est quoi cette carte bancale là? Par contre, je m'énervais, frérot. Il faisait quoi le bouton de gauche? Bon, j'ai gagné 3000 XP. Ok, c'est pas mal. Par pitié, dis-moi que le bouton de gauche au moins il donne quelque chose, j'espère. Dis-moi ça. 1400, c'est tout? Alors attendez, par contre, il y a un truc qu'il faut savoir aussi. C'est qu'il y a un AFK XP. Une fois que tu vas finir, hop, tu bouges pas et tu vas récolter de l'XP comme ça. Tranquillou! AFK Room 3, hop, t'es là-dedans et tu fais de l'XP gratos. Voilà, 3000. Oh, on en gagne pas mal en plus, hein. Franchement, ça t'a rien à faire. Franchement, fais-le, frérot. Ça te coûte rien du tout. Sur les 4 coins, à chaque citrouille, t'as une nouvelle pièce où tu peux te faire de l'XP. Donc franchement, frérot, fais-le. Ça te prend 2 secondes, même pas. Et attention. Hop, on est passé niveau 104 maintenant. Magnifique, merci la map, ça fait plaisir. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez gagner une des cartes V-Bucks. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Brice, ciao les potes.